In their tongue, he's Dovahkiin. Dragon Ball! Come get some! Salut, 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 c'est Come Get Some et bienvenue sur Sleeping Dogs Definitive Edition DLC Nightmare in North Point, cauchemar à North Point, retour avec l'ami Wei, détenteur d'une épée enflammée. La dernière fois, nous l'avions récupéré en tuant un Yao Guai. Nous sommes donc toujours, eh bien, dans un monde avec des zombies qui veulent notre peau, mais on a une super épée. Et on va essayer d'esquiver ce petit combat. Je n'ai pas que ça à faire. On va se diriger de suite. J'aurais peut-être dû prendre une voiture. On va essayer de se diriger vers cette espèce de marqueur que j'ai, qui est placé ici, ce marqueur violet. C'est un marqueur, je crois, de combat contre des Yao Guai. Ça fait partie des missions secondaires. On va essayer de faire au moins ça, plus les deux petites missions. Vous voyez, il y a des petites missions... comme ça ici là, terrain de basket des Jiangxi, je pense qu'il faut les taper. Et il y a ça, ruelle des Yao Guai. Alors peut-être qu'il y a aussi un hôtel à se faire à cet endroit là. Donc on va y aller de suite et puis bah écoutez, on va bien voir ce qu'il en est. Alors les gens ont envie de nous taper. On peut se casser je pense. Je pense pas qu'ils vont nous poursuivre jusqu'au bout. Au pire on se les fera. On va surtout se faire cette espèce d'enfoiré. C'est lui qu'il faut défoncer en premier. Hein. C'est lui qu'il faut défoncer en premier. Putain! Voilà, allez, ça, ça dégage. C'est quand même pratique cette épée. Hein. Oh! Allez, ça dégage. Merde, j'ai pété l'épée. Tant pis. Au moins. Au moins, ça évitera. Eh ben, que celui-là, il se réveille. Ça prie, c'est ce qu'on dit. Merde, putain, je l'ai remis en course. Allez, ça, ça va dégager bientôt. On va se les choper. Pire vainqueur, dernier Shaolin. Nouvelle des Yao Guai. Bah écoutez, je m'en suis plus trop pas trop mal sorti. Hein. Cela dit, j'aurais bien aimé garder l'épée. C'était quand même pratique pour buter les Yao Guai. Hein. On va se faire les deux petits points secondaires là. En commençant par se récupérer ça. On va aller ici. Terrain de basket des Jiangxi. Alors il y aura les hôtels à se faire. Oh, c'est vrai, j'avais oublié que ça pétait dans tous les sens. En mode apocalypse. C'est l'apocalypse, mais pas trop. Hein. Les gens continuent à s'arrêter au feu rouge. C'est très logique, mais écoutez, hein, c'est la manière de voir les choses. C'est étonnant. Tout simplement étonnant. Bon, on va se faire les Jiangxi qui sont dessus. Il faut sauver le civil, j'espère que je vais y arriver. Normalement, il n'y a rien d'autre que les Jiangxi, donc ça devrait bien se passer. Même s'ils sont un peu chiants. On va continuer à faire ce qu'on sait faire de mieux. On les attrape et on les boxe. C'est plutôt efficace. Allez, moins un déjà, ça, ça dégage. Ensuite, lui, il devait être un peu affaibli. Ah, saleté, saleté, saleté. Oh, j'ai réussi à le contrer. Oh, comment je l'ai défoncé. Oh, je l'ai défoncé, je l'ai contré, je sais pas comment j'ai fait. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai dégommé. Ah, mais j'ai les points enflammés. Ah, et ça, ça dégage. Non, non, c'est bon, ça dégage. Voilà, allez. Ça va, c'était... Alors, par contre, il faut se calmer, hein. Oh, mais il y a... Mais je prends ça. Mais ça, je prends. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Il faut se calmer sur le sur les bruitages du... comment on appelle ça, là, de la fin de mission, hein. Ça suffit, hein. Soyons sérieux que ce deux secondes, hein. Il n'y a pas besoin de mettre ça hyper rapide. Enfin, hyper rapide, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, moi. Il n'y a pas besoin de mettre ça hyper fort, hein. C'est bon, quoi. On se détend un peu, hein.
J'ai pas envie d'abîmer l'épée. Parce que si c'est que des Jiangqi, on peut se les faire à la main. Hein. Ce serait dommage, il faudrait réserver l'épée pour les Yao Guai. Hein. Ce serait bien plus efficace. Hein. Putain, il y en a là. Oh là là. Il y en a, mais il n'y a pas d'hôtel. Ce que j'aimerais, c'est m'arrêter à côté d'un hôtel, mais j'ai pas la carte sous les yeux, donc très clairement, on va laisser ça comme ça. À moins que... Qu'est-ce que c'est, ça? Hôtel démoniaque. Hôtel démoniaque. Mais c'est là où il y a la planque, et je l'ai fait, celui-là. Donc non, il apparaît pas. Il n'apparaît pas. Tant pis, c'est pas grave. Peut-être que je peux défoncer les Jiangqi avec la voiture aussi, ça marche bien ça en général. Ça marche plutôt bien. Hein. Plutôt que d'utiliser l'épée, on peut faire ça aussi. Hein. On va éviter de tuer par contre la personne, c'est très bien. Bon, ça prend trop de temps. Comment il dégage? Allez, ça va dégager aussi. Saleté. Oh, saleté! Toi, tu m'énerves, toi. Toi, tu m'énerves. Toi, tu vas prendre cher. Toi, tu vas prendre cher. Allez, ça dégage, ça. Toi aussi, tu vas prendre cher. Allez, voilà. Eh merde, l'épée. Oh non! Le boucac. C'est des costumes, hein, je crois. Hein. Y a pas une petite épée à récupérer, du coup, là, parce que je l'ai gaspillé un peu, quand même. Hein. Non, je ne crois pas. Tant pis! Tant pis, tant pis, tant pis. Ok, ça c'est fait. Sans trop de problèmes, j'aurais envie de vous dire. On s'en est plutôt pas trop mal sorti. On va donc aller sur la mission principale, l'armée de Smiley Cat. On devrait pouvoir se la torcher, celle-là. J'espère. Donc, pour l'instant, ça s'est pas trop mal passé. On gère bien les choses. Alors j'ai envie que ça continue, tout simplement. Petite ambiance brouillard aussi, hein. Je pense que ça fait partie du contexte. Hein, ça fait un peu fantomatique. Alors déjà il y a un hôtel là, non? Ah ouais, il y a un hôtel. Ah bah voilà, j'aurais dû garder l'épée. Brothers, I know that you have all been waiting for me to return. Together, we will crush the Zanonyi and take over the city. All of Hong Kong will fear the name Big Scar Wu. Big Scar Wu. Big Scar Wu, damn it. Big Scar. On va se battre contre ces mecs-là, hein, j'ai l'impression. Hein. Bon, ça reste des mecs normaux. Hein. Ça reste des mecs normaux. Hein. Donc voilà, ça va le faire, hein, tranquillement. Hein. Pas besoin de trop de... On va se les faire tous tranquillement, tout simplement. Hein, on va faire la petite technique de base. Ah là, on casse des bras, évidemment. Ça marche bien, ça. Hein. Allez, ça, on casse des bras encore. Hein. Encore un bras, tout va bien. Ah bah il est mort. Ah bah il est mort. Allez, on casse un bras encore, évidemment. Hein. Évidemment, ça fait plaisir. Oh, j'avais pas douté d'un couteau, moi. Est-ce qu'on peut casser un bras encore? Allez hop, ça dégage, ça. Et ça, ça dégage. Eh oui, toujours. C'est bien ces points de feu. Hein. Ça marche bien. Hein. Allez, ça c'est fait. Wait, let's go. Le fantôme se casse en voiture. Je répète, le fantôme se casse en voiture. Damn, sorry I doubted you, Salty. This demon really means business. Yeah, he's got a real hard on for the Zanonyi. Ah non, il faut suivre les 18K possédés, d'accord. D'accord, c'est pas Smiley Cat qui est dedans. Meow. You give a guy anything less than a proper burial, he's most likely coming back as a ghost. You turn him into cat food, that's pretty much guaranteed. Huh. So,
What's with the nickname? I guess once he got down there, they changed his name. Maybe ça m'a fait peur un peu. Je me suis dit que si c'était mon véhicule, c'était chaud quand même. Best way to fight the undead is with the Peachwood sword. You got me. Nope. The Naked King came, right? They were gearing up before Smiley Cat got to him. Keep an eye out for them. Poor bastards. Bon, I hear they were looking for every supernatural weapon they could find. Looks like they didn't have four teeth, though. I hate to think what'd be like fighting those things bien. With no teeth. J'essaie de lire en même temps. J'aime bien les rattraper. Je sais pas s'il faut les buter ou pas là. Oh, t'as de la chance. Oh, t'as de la chance. T'as de la chance. T'es un chanceux, toi. Hein. Vous êtes des chanceux. Donc je les suis. Mais est-ce qu'il faut que je les bute? C'est ça le truc. Parce que moi, je peux les buter. Hein. Y a pas de problème. Hein. Ça va bien se passer. Hein. Ça va très bien se passer, je vous le dis. Hein. Ah, shit. There they are. You coming? Oh non, il y a une brute. Take him out, Wade. Go. Ça c'est pas bien ça. Il y a une brute. Et il y a des couteaux. Et il y a des couteaux, j'aime pas ça. Ah. Allez, ça c'est fait. On va le relever. Ah, ça j'aimerais bien le prendre. Alors là j'ai aucun scrupule. Là j'ai aucun scrupule hein. Allez ça dégage. Dans le cœur. Même un fantôme ne peut résister à ça. Ah les Jiangshi. D'accord. Je sais plus comment on les lance. Comme ça. Attendez, j'ai pas compris comment. J'ai pas compris là, attendez. Non, si les Jiangshi dans la suite d'énergie. Ouais, bah c'est bien, mais. Ah, d'accord, ok. D'accord, il faut être dessus. Très bien. Ah, saleté. Oh! Ça suffit! Putain, comment je les déteste! Voilà. Ok, maintenant on peut y aller! Maintenant on peut y aller, tu vas voir! Moi je vais vous éclater! Tiens! T'aimes bien ça? T'aimes bien les bras comme ça là, les cassages de bras? Ça fait plaisir! Hein. Allez, ça dégage aussi! Toi aussi, toi t'en as besoin. Toi je sens que t'en as besoin, je sais pas pourquoi. Voilà, allez ça dégage. Ah. Et on a une petite épée. Prenons ça. On va se les faire. Y'a un yaogwai là. C'est bien, c'est lui qu'il faut se faire en premier. Putain. Oh. Qu'est-ce qu'il se touche cet enfoiré? Ah, je l'ai eu, c'est bon. Allez, ça dégage. Ça marche bien, hein, les effets comme ça. Hein. Putain, je vais te défoncer. Oh, il fait quoi, lui? Tu fais quoi, toi? Par contre, tu t'as pris cher. Hein. Allez, ça dégage, ça. Alors, tu dis quoi, Smiley Cat? Where is she? You have bigger problems than her, you shit. Nobody messes with Big Scar Wu and gets away with it. Never heard of him. Smiley Cat. Ça, il va pas aimer. Ça, il va pas aimer. Hell is full of Sun On Yi. Who better to destroy a triad than its own members? Okay. But then... You knew that already, didn't you, Officer Shen? D'accord, il a fait revenir des anciens membres. D'accord, je pense qu'il va falloir leur botter. Putain, calmez-vous. Dératisation. Calmez-vous un peu là sur les bruitages. Vous êtes fous un peu.
Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Parking des Yaoguai, terrain des Jiangxi. Eh bien écoutez, on va faire ça dans l'ordre. Hein. On va faire ça dans l'ordre. Alors ça, je vais même pas m'approcher de la voiture parce que je sens qu'elle va exploser. Je le sais, hein. Je le sais, je suis au courant, hein. C'est pour ça. Ça, on récupère. Et on va aller se faire le terrain qui est là-bas, là. Il doit y avoir un Yaoguai qui part. Ça, je peux récupérer, peut-être. Putain, calmez-vous, arrêtez un peu. On va aller là-bas. Et puis, bah, on va débarrasser le terrain de tout ce qu'il y a, hein, tout simplement. Normalement, c'est un Jiangxi. C'est pas un Jiangxi. Voilà, ça marche plutôt pas mal, ça. Quoi? Quoi? Il est monté sur la voiture! Ah, le fils de... Oh, l'enfoiré! Ah, il a fait ça, lui! Attends, attends, je vais te buter, tu vas voir. Ah non! Mon épée! Ah, ça craint, ça. Alors, ça craint. Ça va pas être la même, là, du coup. Je vais galérer par contre. Très clairement, je vais galérer. Parce qu'il faut que ma truc monte pour pouvoir le toucher. Hein. Je peux pas le toucher sans les points de feu. Hein. Je ne peux pas toucher sans les points de feu, donc ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Et ça met du temps à monter, cette connerie. Putain, ah ouais, non, mais ça va être chaud là. Ça va être chaud là. Là je vais galérer. Là je vais galérer, je risque peut-être même de mourir. Tiens. Putain, en plus. Putain, ils me font baisser à chaque fois ces gros cons là. Allez, ça marche, c'est parti. Putain. Et ouais, c'est chaud. Je vais mettre le plus de dégâts possible. C'est bon, j'ai mis un peu. Ouais, c'est bon, j'ai mis. Maintenant, je peux le défoncer. Maintenant, je peux le défoncer. Allez, ça marche. Allez, toi, tu dégages. Ah, ça a libéré une épée, super. Allez, hop, ça dégage aussi. Normalement, ça devrait pouvoir le faire maintenant. En plus, on a les points de feu. Ça aussi ça dégage. Et ça va dégager aussi. Aussi, j'ai dit. Aussi. Aussi. Voilà, allez. Parce qu'on a mal la table. Très bien. Jeter des yaoguai. Allez. Récupérons ça. Ça pourrait servir. Et ben écoutez, on va les faire celle-là. Parce que dès que c'est des yaoguai, je suis bien content d'avoir une épée. Donc on va pas se gêner. On va se faire cette mission avec cette petite épée. On fera les Jiangxi. On fera les Jiangxi après. Au passage, hein, si on trouve un hôtel, on le fait. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais pour l'instant, j'en ai pas vu. J'en ai vu un pendant la mission, mais je sais plus où c'est. Donc, pas possibilité d'y aller pour le moment, à part de chercher. Mais là, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. On se réservera ça peut-être pour un épisode en particulier. Pour l'instant, on profite d'avoir l'épée pour aller taper sur du démon. Et ça marche très bien. N'empêche, vous avez vu comment il a esquivé cet enfoiré là? J'étais un peu dégoûté. Hein. Et en plus, il est monté sur le capot du véhicule quoi. Ça dégage. Voilà, il est sorti. Aïe aïe aïe. Allez, je le défonce. Reviens là, enfoiré. Reviens là. Putain. Saleté, va saleté. Dégage de là, enfoiré. Bute-le, vas-y, ouais. C'est lui qu'il faut qu'on fasse.
Ah! Casse-toi! Allez, voilà, ça dégage. Et vous, vous allez prendre cher maintenant! Allez, toi, tu dégages. Et vous faites quoi là? Vous faites quoi là? Vous faites quoi là? Ça y est, elle est morte l'épée, ça fait chier. Et ça, ça dégage. Voilà, allez hop là. Évidemment. Bon, très bien. Très bonne chose. On se récupère notre petit véhicule. On va se faire les trucs de Jiangxi qui sont pas loin aussi. Il y en a un là, notamment. Terrain des Jiangxi. Non, on va se faire... Ah, mais... Ah ouais, il y a deux trucs là. Dératisation. Revanche x2. Ok, c'est les seules missions qui nous sont... qui sont disponibles. On va privilégier... On va privilégier pour l'instant les petites missions secondaires. Putain, c'est blindé ici. C'était blindé. Ah, le parc. On se souvient de ce parc. Il a fallu mettre une petite caméra avec papy, notamment. Je pense que vous vous en souvenez aussi. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut les mettre dedans. Toi. Ah, saleté. Je les déteste. Ça m'énerve quand tu fais ça, là. Putain. C'est pas faute d'essayer de choper ces gros enfoirés. Les renvoyer en enfer. Tiens. J'espère que c'est. J'espère que t'as une mission. Allez hop, ça dégage. Allez, un plus de 2, 3 pardon. En plus, j'ai mes points de feu. Oh, tu veux quoi toi? Tu veux quoi toi? Hein? Allez, ça dégage. J'aurais dû me débarrasser de l'autre quand je pouvais, c'est dommage. C'est dit. Toi. Ça va te faire du bien. Et toi aussi! Allez hop! Et allez hop! Ça casse les bras! Et ça fait boum! On gagne des voitures, putain, on gagne de tout ici! Hein. Allez, ça on récupère! On récupère! Est-ce qu'on se tenterait pas? Est-ce qu'on se tenterait pas la petite mission quand même? Je me tâte là, je me tâte, on n'est pas loin en plus. Dératisation, vous savez quoi, on va se la tenter. Vous savez quoi, on est des ouf. On va se la tenter. C'est pas longtemps. Avec une épée, peut-être ça peut le faire. Hein. Avec une épée, peut-être que ça peut le faire. Moi je dis que c'est possible. Vous, je sais pas. Mais moi je dis que c'est possible. Bâtard. Fouillez les zones. Eh ben, fouillons la zone. Those guys are pretty pissed at you, eh? I had to hear it day and night. They won't rest until they've wrecked everything you built. C'est Johnny. I'm not, you little shit. Ça dégage ça. Ah, éliminer les hommes de Johnny. Ah, mais merde. Attendez. Mais moi, je voulais garder l'épée, putain. Non. Putain, 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 putain. J'ai pas la bonne arme, là. Je m'attendais pas à ça, bordel de merde. Et ouais, mais je me fais défoncer, du coup. Parce que je m'attendais pas à ça. Attendez, ce que je veux, c'est ça, voilà. On va arrêter de... On va arrêter les conneries, quoi. Hein. On va arrêter les conneries. On va arrêter les conneries de bon. Ah
Allez, montre-toi. Putain, je suis pas bien. Attrapez Johnny, putain, attendez, je voudrais prendre l'épée là surtout. Hein. Oh, c'est l'épée qu'il me faut. Hein. Putain. Vite. Et voilà. Et merde. Fais chier, putain. Ah. Et ouais, mais. Allez, dépêche-toi. Ça, je déteste ça. Dégage. Johnny. Vite! Putain, mais récupère cette arme au lieu de faire des gestes de merde là! Bon, ensuite. Ferme-le. Putain, t'es costaud! Ok. Récupérons notre épée. Ah, faut surtout pas perdre l'épée, hein. Ce qui est plus important. Merde, putain. Ouais, moi ce que je veux c'est le flingue, hein. Là, actuellement, tout de suite. Hein. Vas-y, premier qui sort sa tête. Quoi? Putain, arrêtez de vous cacher. Voilà, du petit headshot, ça fait plaisir. Ok, là on prend l'épée. Et maintenant on va lui régler son compte. On va tenter de lui régler son compte, ce serait bien. C'est Johnny face de rat. Or did they just get sick of you in hell? Ah non, merde. Ok, de toute façon, je sais comment on fait pour ça. Faut juste mettre les Bianchi dedans. Ok, lui je l'ai compris, ça t'apprendra. Il faut en mettre au moins 3 ou 4 dedans. Okay, au moins j'ai compris comment les contrer quand ils font ça. C'est plutôt pas mal. Allez, voilà, ça dégage. Ah putain, il est là maintenant. Attendez. Ce qu'il faut se récupérer, c'est ça là. C'est ça, hein. C'est lui. Ok, ça dégage. Voilà. Avec une épée, c'est toujours facile. Johnny face de rat. Allez, ça dégage! Les démons sont apparus à Northquite. Lui, il se casse. Dératisation. Et ben voilà! C'est parfait! C'est ça qu'on veut. Oh, passerelle des Jiangxi. On a deux trucs de Jiangxi qui sont apparus. Et ben écoutez, c'est très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer tranquillement à la planque. Je vais rentrer tranquillement à la planque. Nous, on va se laisser là. Et puis, dans la prochaine vidéo, et ben écoutez, on continuera à buter du Jiangxi, du Yao Guai. Et puis, tous ceux qui reviennent à la vie. Hein. Voilà! J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très vite dans le prochain épisode. N'hésitez pas à lâcher votre like, évidemment, ça fait toujours plaisir, le petit commentaire. Abonnez-vous, partagez, activez la cloche, tout ça. On se retrouve très vite les amis, à ciao, bye.